Comment cette question du sabotage du gazoduc a-t-elle fait irruption ? Eh bien, c'est un coup d'éclat de Sergueï Lavrov qui a remis le sujet sur la table. Que dit le chef de la diplomatie russe ? Il se dit, scandalisé par l'impunité dont jouissent les saboteurs des gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2 qui, on s'en souvient, ont sauté en septembre dernier. Pour les Russes, clairement, les responsables, ce sont les États-Unis. Ils exigent donc une enquête impartiale, je cite encore, sur ces explosions. Et Sergueï Lavrov poursuit, à mon avis, tout est clair, mais on va pousser pour cette enquête, on ne va pas les laisser dissimuler les choses comme l'Occident l'a fait à plusieurs reprises. Ce qui est frappant, c'est que sur ce sujet, la Chine est également très offensive. Écoutez, il y a quelques jours, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Pourquoi est-ce que Pékin et Moscou passent à l'offensive sur cette affaire aujourd'hui, ou en tout cas ces derniers jours ? Eh bien parce qu'ils ont, David, la conviction qu'ils tiennent là l'occasion de montrer quel est, selon eux, le vrai visage des États-Unis. Sur quoi s'appuie-t-il ? Pékin, vous l'avez dit, a même produit, dans la perspective de ce G20, une vidéo qui retrace ce qui s'est vraiment passé selon la version chinoise. Et ce scénario chinois reprend très fidèlement l'enquête d'un journaliste, et pas n'importe lequel. Vous allez voir son visage, Seymour Hersh, 85 ans. Il est américain, c'est un journaliste d'investigation chevronné, très chevronné, récompensé d'ailleurs en 1970 par un prix Pulitzer, mais disons-le aussi, qui est aujourd'hui controversé. Certains de ses confrères américains l'accusent même de conspirationnisme, on y reviendra peut-être. Selon cette version, tout démarre au mois de juin. À ce moment-là, l'OTAN mène des exercices dans la mer Baltique, les Baltic Operations. Pour faire simple, ce sont des entraînements au combat, à des opérations de détection sous-marine ou à du déminage, par exemple. À cette occasion, des plongeurs américains en haute mer, ultra entraînés, ultra qualifiés, sont descendus à 80 mètres de profondeur jusqu'à ce fameux gazoduc, en embarquant avec eux des explosifs. Toujours selon cette version, ces explosifs ont été placés minutieusement à plusieurs endroits, repérés en amont avec la complicité des Norvégiens sur les parois en béton des tuyaux. Opération qui a duré 6 heures. Ce sont en quelque sorte ces explosifs des bombes dormantes. Et trois mois plus tard, le 26 septembre, un avion de surveillance de l'armée norvégienne survole les gazoducs. Ce n'est pas une opération de routine. Toujours dans ce scénario, cet avion en profite pour larguer une bouée sonar. La bouée va à son tour envoyer un signal qui va lui déclencher les explosions. La suite, vous la connaissez. Quelques heures plus tard, trois des quatre tuyaux des gazoducs sont détruits et le gaz qui restait dans ces tuyaux s'échappe. Il forme ce fameux bouillonnement dans la mer Baltique dont l'image est restée gravée dans les mémoires. Pour la Chine, comme pour Seymour Hersh, aucun doute, c'est Joe Biden lui-même qui a pris cette décision dès le mois de septembre 2021. Et chacun de rappeler cette déclaration du président américain quelques jours seulement avant l'invasion en Ukraine. If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. Alors, d'abord, le scénario qui est montré est tout à fait plausible. Deuxième point, tout le monde sait qu'il s'agit d'un sabotage. Et même dans la dernière phrase, on dit que c'est un sabotage, mais que ça ne peut pas être les Russes. Si alors, on ne dit pas ça ne peut pas être les Russes. Ah, si. On dit rien ne prouve. Rien ne prouve que à ce stade que ce sont les Russes. Ça peut être les Russes. Donc, si c'est un sabotage et que ça ne peut pas être les Russes. Ah, il ne dit pas ça ne peut pas être. C'est parce qu'il était. Il dit rien ne prouve dans ces trois enquêtes une responsabilité russe. Oui. Pour vous, si on n'a rien trouvé comme preuve d'une responsabilité russe, enfin, je pose la question autrement. Bien. Si c'était les Russes, est-ce qu'on aurait forcément trouvé du côté du Danemark, de l'Allemagne, de la Suède, un signe qui l'atteste ? Ben oui, bien sûr. On aurait trouvé une preuve que c'était les Russes. À partir du moment où on ne trouve pas que c'est une preuve que ce sont les Russes, ben, il faut chercher ailleurs. Ce qu'on apprend, en fait, ce qu'on savait, en réalité, déjà avant l'article de Hersh, c'est que ça n'était pas la Russie. Et ça, on en avait la certitude, malgré ce que dit M. Poincaré. Et on savait que c'était
pas la Russie, tout simplement parce que les Suédois ont fait deux enquêtes, une des services de renseignement intérieur, une de l'armée ou de la marine suédoise. Les Danois ont également fait une enquête sur l'événement avec une commission conjointe de la police danoise et des services de renseignement intérieur. Et on a également une enquête de l'Allemagne et on a eu naturellement des enquêtes aussi de la société Gazprom version occidentale. Et on se rend bien compte que si une seule de ces enquêtes avait affirmé qu'il s'agissait de la Russie, on aurait très largement entendu parler, ce qui n'a pas été le cas. Il n'y a évidemment eu aucune réunion d'urgence à l'OTAN concernant ça, et vous pensez bien que pour un événement qu'on a qualifié d'acte de guerre, tout ça signifie que la Russie n'était très certainement pas impliquée. D'autre part, soit les Danois, soit les Suédois ont refusé de partager leur information avec les Allemands, ce qui montre bien que on n'est pas du tout avec une affaire pour la Russie. Vous avez créé avec Caroline Galacteros un centre de recherche, évitons les mots anglais, bien entendu, oui, qui s'appelle Géopragma, et qui diffuse des informations, des analyses, des recherches très intéressantes, notamment, on y viendra, à l'occasion de ce conflit en Ukraine qui nous préoccupe tous et dont vous nous parlerez. C'est-à-dire que les Russes ont des armes nucléaires stratégiques, mais aussi ont ce qu'ils appellent des armes nucléaires non stratégiques qui permettent de tirer sur de frapper sur le théâtre d'opération. Voilà. Avec des effets limités, mais dont on ne connaît pas exactement la profondeur. Des effets qui seraient... Restons un peu sur la question nucléaire, qui n'est pas secondaire. D'abord, je crois savoir, est-ce que je me trompe, que nous n'avons plus d'armes nucléaires tactiques. Non. Nous avons renoncé. Donc c'est tout ou rien, en somme. C'est un tout ou rien, mais c'est un tout ou rien dans un monde, si vous voulez, où... on n'est plus en première ligne. Je vous rappelle les divisions de l'Allemagne de l'Est... Et les 20 divisions plus les divisions soviétiques étaient à deux étapes du Tour de France. Expression du général de Gaulle. Donc maintenant, si vous voulez, les divisions russes dont on veut faire un ennemi grâce aux États-Unis sont à 3000 kilomètres. Ça serait une bonne chose, pensez-vous, de rétablir une arme nucléaire tactique ? Non, non. En Algérie, c'était 350 morts par mois. Et en Ukraine, c'est de l'ordre de 3000 morts par mois. Pour les Allemands, la guerre de 39-45, c'était 80 000 morts par mois. Terrible. Quand vous avez connu la guerre, vous ne l'aimez pas. Et alors moi, quand je vois là un certain nombre de consultants à la télé qui n'ont jamais entendu un coup de feu dans leur vie qui ont été vraiment dans ce type d'OPEX, quand vous avez des blessés, moi j'ai eu mon caporal chef de pièce qui a été dont une balle et lui a enlevé le crâne. Et ben vous n'aimez pas la guerre. Vous la faites parce que c'est votre devoir et votre mission, mais vous l'aimez pas. Or là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont jamais fait, qui l'aiment beaucoup. C'est un élément important que ce caractère russe, dont ont tâté successivement Napoléon et Hitler, dont pourrait bien tâter Biden et compagnie. C'est-à-dire que la résilience, la capacité de résistance, de dévouement et de sacrifice des Russes rend la balance assez inégale, quels que soient les armements, je me trompe? Oui, mais bien entendu. Quels que soient les armements, c'est excessif. Non. Puis en plus, là, les Russes ont un avantage considérable en matière d'armement. On pourra en dire deux mots. Parlons-en, c'est le moment. On reviendra sur la carrière. Le gros avantage, les Russes, c'est qu'ils ont une industrie d'armement qui est la seconde derrière la celle des États-Unis en termes d'exportation, bien avant celle deux fois et demi supérieure à notre industrie française, vous voyez, en termes de volume qui est une des premières du monde à livrer. Et donc, eux, tout leur matériel est dans une lignée. Les Russes sont des gens qui font évoluer leur char, c'est-à-dire et leur blindé, tout, ils font évoluer. Ils n'ont pas des grandes percées, si on peut dire. Ils font évoluer. Donc, la maintenance
est assuré. Et très simplifié. Et leurs chars sont beaucoup, toujours plus rustiques. Alors, Géopragma, puisque nous y sommes, et Caroline Galacteros, et vous-même, mettez souvent l'accent sur l'aspect politique, géopolitique de ce conflit, pas simplement technique. Bien sûr. Bien que vous maîtrisiez les deux bouts de la chaîne, du coup, par la formation et la vie que nous venons d'esquisser, on a l'impression que c'est une guerre voulue par les États-Unis, en réalité. Mais c'est une guerre qui, en tout cas, préparée par les États-Unis. Les bénéficiaires. Depuis les années 90. À qui profite le crime, c'est évidemment aux États-Unis. Oui. Ça profite pas à l'Europe, on le voit tous les jours. Au contraire, oui. Donc, c'est pas, simplement, et ça profite aux États-Unis qui, ont, mais en termes de stratégie, depuis que Brzezinski a écrit son grand échiquier publié, il a dit le risque pour nous et pour notre domination mondiale, c'est la création de l'Eurasie. Voilà. Et il a dit le seul point qui va permettre d'enfoncer un coin et d'empêcher, c'est l'Ukraine. Et ça, son bouquin, c'est 95. 97. Au 97, pardon, oui, 97, voilà. Nouveau capital. Voilà. Corroboré par capital, toute la politique américaine. Donc c'est évident que les Américains ont toujours fait comme ça. Les révolutions oranges, moi j'ai travaillé sur la révolution orange, c'est Soros qui est derrière. Et Soros, c'est quand même quelqu'un qui est sorti de prison par la CIA au moment où il fait faillite au début de sa carrière et qui travaille pour la CIA. Et qui est finalement le bon soldat. Enfin, le bon soldat, voilà, le grand soldat. Et qui finance. Il a gagné beaucoup d'argent, et c'est un financier effectivement, mais il finance, et il le dit, et il s'en vante. Moi, oui. J'ai des citations sur de Soros, quand je publie ça dans mes bouquins... Sur la Révolution Orange, qu'il a financé, il dit c'est moi. En liaison avec la CIA. Oui, évidemment. De même, je crois qu'il y a un ministre ou un secrétaire d'État ou un membre important du département d'État américain... Oui, qui l'a dit, mais tout sort. Au bout d'un moment, tout sort. Aux États-Unis. Même la CIA a nommé des ministres ukrainiens, a composé le gouvernement ukrainien. Oui. C'est stupéfiant. Donc c'est vraiment la préparation de la guerre, les États-Unis ont toujours agi comme ça. Oui. En Irak, c'était pareil. Regardez, quand au débarquement, ils voulaient installer une administration américaine en France. On le sait, ça. Et De Gaulle les a pris de vitesse. Donc, si vous voulez, les Américains agissent comme ça. Ils ont une capacité à utiliser ce qu'ils appellent le soft power, qui est remarquable, parce que eux défendent leurs intérêts. Alors, oui, ce que nous ne faisons pas, c'est ce que vous voulez dire. Et ce que nous ne faisons pas. Oui, on a même l'impression que nous faisons l'inverse. On dessert nos intérêts dans cette affaire, parce que notre intérêt, c'est l'union de l'Europe, et vous appeliez même cela l'union de l'Eurasie, qui serait le grand drame pour les États-Unis, qui du coup, j'ai écrit un livre au centre du monde. J'ai écrit un livre en 2011 qui s'appelait « Russie, alliance vitale pour montrer que économiquement, on ne pouvait pas se passer de la Russie si on voulait devenir une grande puissance économique. Voilà. J'adore les Anglais parce que quand vous avez joué au rugby, j'adorais les Anglais. Mais il faut savoir que ce sont des pervers. Oui. Ce sont des pervers dans la. C'est plus que perfide Albion, c'est la perverse Albion. Oui, mais ils ont ça parce que dans le sang, c'est la défense de leur intérêt. Ça a été une petite puissance qui a dominé le monde avec très peu d'hommes, mais beaucoup d'argent, beaucoup de... Et une volonté farouche de dominer. Beaucoup d'intelligence. Moi, j'admire, là encore, si vous voulez, je suis bien content quand on bat l'Angleterre sur le stade, là, avec l'équipe de France et qu'on gagne le Grand Chelem. Mais, si vous voulez, ce sont des gens qui défendent leurs intérêts. Et les Anglais, alors, à la différence des Américains, ils ont toujours voulu affaiblir la puissance qui dominait l'Europe, qui risquait de dominer l'Europe. Pour eux, aujourd'hui, c'est plus l'Allemagne qui risque de dominer l'Europe, c'est la Russie. Il y a eu récemment une résolution de l'ONU où la majorité des pays de la communauté internationale ont une nouvelle fois condamné l'attaque du 24 février de l'Ukraine par la Russie. Cette résolution était bien sûr une résolution de principe, et on constate que les puissances qui s'abstiennent, comme la Chine ou l'Inde, représentent presque la moitié de la population mondiale et environ 40% du PIB mondial.
Et si l'on place la carte des pays qui fournissent de l'aide militaire à l'Ukraine et qui sanctionnent la Russie, le constat est là. D'une confrontation régionale, la crise en Ukraine s'est transformée en un conflit entre deux empires, l'un continental, la Russie, face à la thalassocratie américaine. La hausse des prix frappe les ménages japonais. Les prix à la consommation de base en janvier ont bondi de 4,2% par rapport à l'année précédente, augmentant au rythme le plus rapide depuis septembre 1981, ce qui signifie une hausse des prix de l'énergie et des denrées alimentaires. Selon les experts, la hausse des prix des produits de base pourrait atteindre son pic vers la mi-2023, mais les perspectives pour les prix de l'énergie ne semblent pas prometteuses. Les coûts de l'énergie au Japon n'ont cessé d'augmenter depuis le début du conflit en Ukraine, après que Tokyo a imposé une restriction des importations en provenance de Russie. Les prix de l'énergie augmentent rapidement. La hausse du coût de l'électricité est particulièrement élevée. Par rapport à il y a un an, les factures d'électricité ont augmenté de 20%, voire 30% par rapport à il y a deux ans. L'administration Kishida a annoncé un programme global de relance économique afin de réduire les factures mensuelles d'électricité et de gaz pour le ménage moyen d'environ 2500 yens, soit un peu plus de 18 dollars. Cependant, un certain nombre de compagnies d'énergie ont déposé une demande auprès du ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie pour appliquer une augmentation de 28 à 45% des tarifs résidentiels réglementés en réponse à la flambée des prix de l'énergie. Si ces demandes sont approuvées, la hausse réduira à néant les subventions gouvernementales tout en alourdissant la charge des ménages. Je suis particulièrement inquiète à propos de la facture d'électricité et j'ai entendu dire qu'elle allait exploser à partir d'avril. Nous en ressentons déjà le poids. Mon mari travaille à la maison, donc il reste à la maison toute la journée. Comme elle a déjà été multipliée par 1,5 par rapport à avant la pandémie, si elle augmente encore, je dois revoir tout le budget du ménage et il va être difficile de joindre les deux bouts. La plupart des ménages japonais fondent leurs espoirs sur une augmentation de leurs revenus au printemps, ce qui pourrait exercer une pression supplémentaire sur les dépenses de consommation. Depuis la pandémie de Covid-19, de nombreux ménages avec enfants ont vu leurs revenus diminuer et donc de joindre les deux bouts. Je pense que ce qui arrive au salaire réel des jeunes travailleurs de 30 et 40 ans sera un facteur qui affectera la consommation personnelle à l'avenir. De nombreux ménages s'inquiètent déjà des factures d'énergie pour les prochains mois d'été lorsque la climatisation deviendra nécessaire. Certains réclament des mesures supplémentaires de la part du gouvernement. Le 14e comité national de la CCPPC a récemment conclu une conférence de presse à Beijing. Les chefs des partis en dehors du Parti communiste chinois et de la Fédération nationale d'industrie et de commerce de Chine y étaient présents. Ils ont informé les médias de la manière dont leurs partis ont participé aux affaires de l'État sous le socialisme aux caractéristiques chinoises et ont accompli le travail de la Fédération nationale d'industrie et de commerce dans la nouvelle ère. Un quartier encerclé par les forces de l'ordre et des familles contraintes de fuir, ces scènes deviennent de plus en plus courantes en Haïti. Ici, à Port-au-Prince, les gangs sévissent et la population subit. J'ai dû dormir dans la rue. Je suis revenue ce matin et je vois que c'est toujours pareil. Vous allez définitivement quitter votre maison ? Mais je n'ai nulle part où aller. Des locaux qui tentent de se faire entendre. Fin janvier, des manifestations avaient été organisées après l'assassinat de 6 policiers. Nous sommes l'avenir du pays. Sans sécurité, un pays n'existe pas et ne peut accéder au développement. Nous sommes dans les rues pour lutter contre les actes de banditisme. En Haïti, les gangs contrôlent plus de la moitié du territoire national. Une situation si catastrophique que les institutions mondiales s'inquiètent. L'ONU évoque même des niveaux de violence jamais vus depuis des décennies dans le pays. Les gangs ont de plus en plus recours à l'assassinat délibéré d'hommes, de femmes et d'enfants d'à peine 10 ans qui sont brutalement violés. Il n'y a pas de place pour la lassitude. Nous avons une obligation d'agir vite. Un message entendu par le Canada. Le pays avait déjà envoyé des véhicules blindés et des équipements de sécurité. Les autorités sont allées encore plus loin.
Le Canada déploiera des navires de la marine royale pour effectuer de la surveillance, recueillir des renseignements et maintenir une présence maritime au large des côtes haïtiennes au cours des prochaines semaines. Une aide dans un contexte d'urgence absolue. Selon l'ONU, les homicides ont presque doublé en 3 ans. Les kidnappings, eux, sont passés de 78 en 2019 à 1359 en 2022. Le président français achevait samedi en RDC une tournée dans 4 pays d'Afrique centrale, placée sous le signe du nouveau partenariat qu'il entend construire avec l'Afrique. Les deux dirigeants ont disserté sans ménagement devant la presse des propos de l'ancien ministre des Affaires étrangères qui en 2019 avait qualifié l'élection de Félix Tshisekedi de compromis à l'africaine. Si Emmanuel Macron a attribué l'erreur diplomatique de Jean-Yves Le Drian à la presse française, Tshisekedi a lui exprimé son désaccord. Lui, il est officiel français. Oui, mais le compromis à l'africaine, c'est Le Drian, c'est pas la journaliste. C'est exact, mais ce compromis... Je reste dubitatif quant à la bonne foi de ceux qui nous ont agressés. Il n'y avait aucune raison, je le rappelle, qui justifiait cette agression, si ce n'est que des raisons économiques, mais propres au Rwanda, instigateur de cette agression. Maintenant, la question est de savoir est-ce que le Rwanda peut se passer de ce pillage systématique de la République démocratique du Congo qui date maintenant d'une 20aine d'années. Et si c'est le cas, ben ça se vérifiera à travers ce processus. Et si ce n'est pas le cas, c'est là que je vérifierai les propos et les engagements du président Macron par rapport aux sanctions à prendre contre le Rwanda. Alors que la RDC accuse le Rwanda de soutenir la rébellion du M23, Emmanuel Macron a pointé du doigt les lacunes des autorités. Depuis 1994, et c'est pas la faute de la France, pardon de le dire dans des termes aussi crus, vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté, ni militaire, ni sécuritaire, ni administrative de votre pays. C'est aussi une réalité. Il ne faut pas chercher des coupables à l'extérieur de cette affaire. Un partenariat avec la France a par ailleurs été conclu ce samedi pour la cartographie et la gestion durable des ressources minières dont regorge le sous-sol congolais. C'est un numéro d'équilibriste auquel s'est livré le président en public avec le président Tshisekedi. On a vu qu'il y avait un accord, oui, les relations sont au beau fixe, c'est le retour de la France en RDC, partenariat gagnant-gagnant, climat, culture, médecine, scientifique, mais évidemment, le grand sujet qui est revenu dans les questions, c'est la position de la France vis-à-vis du Rwanda. Et c'est vrai qu'on a vu clairement que le président Macron a affirmé que oui, nous condamnons le groupe du M23 et ceux qui les soutiennent, dont le Rwanda. Mais ce qu'attendent beaucoup de Congolais, y compris des officiels congolais et y compris le président Tshisekedi, c'était une condamnation plus directe du Rwanda. Parce que d'autres pays occidentaux, et non des moindres, les États-Unis par exemple, ont condamné non seulement le soutien du Rwanda au M23, ce que la France a fait au mois de décembre par le truchement du Quai d'Orsay, mais les États-Unis ont aussi demandé au Rwanda de retirer ses troupes, pas celles du M23, ses troupes, celles du Rwanda, de RDC. Ce que la France n'a jamais fait. Et là, évidemment, le sujet n'a même pas été abordé par Emmanuel Macron. Donc le fait que les États-Unis soient beaucoup plus en pointe sur ce sujet que la France fait que, du côté congolais, on a l'impression qu'il y a une certaine ambivalence, une certaine ambiguïté d'Emmanuel Macron, parce qu'on sait à quel point ça a été important pour lui de retisser les liens avec le Rwanda, avec Paul Kagame, à travers, parce que ce qu'on veut du côté congolais, c'est une condamnation sans équivoque, et aussi des sanctions, que ce soit des Nations Unies, la France étant membre du Conseil de sécurité, voire de l'Union européenne, où la France a un rôle clé. C'est ce qu'a réclamé le président Tshisekedi. Emmanuel Macron a en sorte dit... Voilà, il y a un plan de paix sur la table, il y a un cessez-le-feu qui est censé entrer en vigueur, un énième cessez-le-feu, devrais-je dire, ce mardi, après un nouvel accord ou une nouvelle concertation, notamment que le président français a eu avec le président angolais, qui est un médiateur de longue date, un des médiateurs, et il dit voilà, maintenant on sait, il y a une date, le 7, il y a un mécanisme de vérification qui permettra de savoir si
tout le monde respecte ce cessez-le-feu qui doit ensuite être suivi d'une démobilisation, d'un désarmement, etc., etc. Et si jamais ça n'est pas mis en œuvre, là, il y aura des sanctions. Mais évidemment, on a entendu Félix Tshisekedi affirmer « Je suis dubitatif sur les intentions de l'agresseur rwandais et je vérifierai les engagements d'Emmanuel Macron sur les sanctions. » Concrètement. À ce moment-là, donc on laisse une dernière chance à un processus de paix qui n'a jamais été réellement enclenché. Mais si jamais ça ne se produit pas, ça n'a pas été le cas malgré tous les cessez-le-feu successifs, on verra si en effet Emmanuel Macron envisage des sanctions contre le Rwanda. Pour la 9e semaine consécutive, plusieurs milliers d'Israéliens sont descendus dans les rues de Tel Aviv samedi soir pour protester contre la réforme controversée du système judiciaire voulue par le Premier ministre Benjamin Netanyahou, qu'il juge antidémocratique. I want to fight for what is right, and there should be a constitution here, and there should be a long-standing and stable judicial system that needs some fixing, but not as impulsive as these crazy right-wings who kidnapped democracy wanted to be. Cette réforme prévoit la possibilité pour le Parlement d'annuler une décision de la Cour suprême à la majorité simple. Ce projet vise aussi à accorder au gouvernement plus d'influence sur cette juridiction. Les détracteurs de Benjamin Netanyahou, qui est jugé pour corruption dans plusieurs affaires, le soupçonnent de vouloir instrumentaliser la justice grâce à cette réforme. C'est dans un contexte tendu qu'intervient cette mobilisation de la centrale syndicale, l'UGTT, qui historiquement a toujours joué un rôle de médiation entre les partis politiques, les gouvernements, mais aussi la classe ouvrière et les fonctionnaires. Aujourd'hui, cette centrale se retrouve menacée, comme l'a plusieurs fois répété son secrétaire général Nourdine Taboubi, dans sa liberté syndicale d'une part, puisqu'un syndicaliste a été arrêté début février, mais aussi à travers, par exemple, ces mobilisations, puisque la centrale syndicale a tenté d'inviter des syndicalistes étrangers pour soutenir ces manifestations, des syndicalistes étrangers qui ont été soit ordonnés de quitter le territoire, soit refoulés aux frontières. Le président Kais Saied y a d'ailleurs fait allusion dans un discours tenu vendredi soir, où il a déclaré que tout le monde était en droit de manifester, mais qu'il n'y avait pas besoin d'inviter des personnes étrangères au sein des manifestations. Aujourd'hui, la centrale syndicale revendique son poids et sa force de mobilisation, avec le soutien notamment de plusieurs associations, mais aussi d'intellectuels, dans un contexte très tendu sur le plan économique, où le gouvernement est encore en train de négocier un prêt de 1,9 milliard de dollars avec le Fonds monétaire international. Ils ne sont plus les bienvenus en Tunisie, ils ont donc décidé de partir. Au petit matin, ces 145 Ivoiriens prennent l'avion, direction Abidjan. Après le durcissement soudain de la politique migratoire de Tunis, beaucoup de subsahariens sans papier ont perdu leur emploi et leur logement. Un climat pesant s'est installé dans le pays et les agressions racistes se sont multipliées, poussant ces Ouest-Africains à faire leurs valises. J'ai tout laissé, j'ai seulement pris cette guitare en guise de souvenir. Voilà. Il faut dire que je suis en situation régulière, j'ai tous mes papiers ici, étudiant, j'ai fait la formation, mais voyant beaucoup d'injustices, il fallait que je rentre. On ne s'attendait pas à ça, on ne s'était pas préparé. Voilà, donc brusquement, vraiment, ça fait mal. Mais grande est notre joie de regagner vraiment notre patrie, voilà, qui nous accueille à bras ouverts. Accueilli à bras ouverts, car Abidjan a mis en place des aides financières pour ses ressortissants chassés de Tunisie. 500 personnes ont déjà souscrit à ce programme d'aide au retour. Les migrants en situation irrégulière ont reçu de lourdes amendes de la part des autorités tunisiennes, des pénalités de près de 1 000 euros par mois, empêchant nombre d'entre eux de pouvoir payer un billet retour. La Tunisie est devenue pour nous les subsahariens une prison à ciel ouvert. Les pays d'origine ont donc dû s'organiser pour permettre à leurs citoyens de quitter le pays. Après la Guinée et la Côte d'Ivoire, la junte malienne a affrété ce samedi un avion de 150 passagers direction Bamako. Au début de l'année, 21 000 migrants subsahariens étaient recensés en Tunisie, soit moins de 0,2% de la population. Dernier préparatif avant le départ. Cette équipe de travailleurs humanitaires s'apprête à partir en Méditerranée centrale. Nous sommes à bord de l'Océan Viking, le navire affrété par l'ONG SOS Méditerranée, pour porter secours aux embarcations de migrants qui fuient l'Afrique pour atteindre l'Europe.
Pendant nos missions, on voit des embarcations qui ne sont pas en mesure d'affronter un tel voyage. Quand on les retrouve, certaines n'ont plus de carburant ou sont perdues au large. Cette fois-ci, le navire sera contraint de respecter le nouveau décret approuvé par le gouvernement italien pour les opérations de sauvetage en mer. Il interdit notamment les sauvetages multiples, même si l'ONG dispose des capacités pour sauver plusieurs embarcations de migrants qui risquent le naufrage. À peine finis les premiers secours, on nous indique un port de débarquement et on nous ordonne de nous diriger à vitesse maximum sans nous arrêter. Faute de quoi, le capitaine s'expose à une amende. C'est contraire aux lois internationales qui indiquent que si un capitaine est en mesure d'aider une barque en difficulté, il doit intervenir. Ce navire affrété par Médecins Sans Frontières est le premier à écoper d'une sanction en application du décret. Les autorités italiennes lui reprochent de ne pas avoir communiqué toutes les informations requises lors de son dernier sauvetage. Résultat, une amende qui pourrait atteindre 10 000 euros et 20 jours d'immobilisation dans le port d'Augusta en Sicile. Cette détention est illégitime. C'est frustrant d'être bloqué ici tandis qu'on pourrait être en train de sauver des personnes au large. Il y a une intention claire de maintenir les navires humanitaires loin de la zone de secours. En attendant la fin de la détention, l'équipe prépare les équipements pour la prochaine mission sur la route migratoire la plus meurtrière au monde. En 10 ans, près de 25 000 personnes sont mortes en essayant de traverser la Méditerranée. De 5 pays méditerranéens membres de l'UE se sont réunis à Malte samedi pour évoquer la question migratoire. Face aux arrivées massives d'embarcations sur leurs côtes, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, Chypre et Malte dénoncent le manque de solidarité. Today, the five of us have shared our experience on the ongoing implementation of voluntary solidarity mechanism, and we have reached the same conclusion. It's not working as desired. The procedure is too slow, too selective, with too few results and too little predictability. D'après l'ONU, plus de 160 000 migrants sont arrivés en Europe par la Méditerranée en 2022, soit 30% de plus qu'en 2021. D'après le ministre grec des Migrations, seul 1% des personnes arrivées dans ces pays du sud de l'Europe ont été prises en charge par d'autres États membres de l'UE. Entre le 21 janvier et le 22 février 2023, 33 jours se sont écoulés sans véritable pluie en France. C'est un record historique. Plus généralement, les précipitations de ces derniers mois sont bien en dessous des normales de saison. Une sécheresse hivernale inédite qui a évidemment des conséquences importantes sur l'environnement, l'agriculture, la gestion des ressources en eau ou encore tout simplement notre vie quotidienne. Alors est-on en train de connaître aujourd'hui une crise de l'eau après avoir dû faire face ces derniers mois à une crise énergétique majeure? Le président Emmanuel Macron, en tout cas, en appelle d'ores et déjà à un plan de sobriété. Il évoque la fin de l'abondance. Après le chauffage, l'eau va-t-elle aussi être rationnée? C'est avec vous que l'on va en parler, Vasken Andréassian. Bonjour. Bonjour. Vous êtes hydrologue à l'INRAE, l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement. Vous êtes directeur de l'unité de recherche ICAR. Un hiver, en France, normalement, c'est des pluies abondantes, c'est des chutes de neige. Pourquoi on subit cette année un tel épisode de sécheresse hivernale? Eh bien, on subit un épisode de sécheresse parce qu'on a un anticyclone qui ne veut pas bouger. Il est bien en France, il est posé sur la France et il éloigne tous les systèmes précipitants qui, d'habitude, viennent de l'Atlantique et balaient la France. Cet anticyclone, il est à cause de nous, à cause de l'homme, à cause du réchauffement climatique? Alors, on ne sait jamais dire si un événement, un bien précis, est la cause du réchauffement climatique. C'est un peu comme si vous jouiez au dé, vous lancez vos dés, vous avez un 6. Est-ce que c'est les dés qui sont truqués ou est-ce que vous avez eu de la chance? Et en fait, c'est l'accumulation de phénomènes qui permet de dire si les dés sont truqués, c'est-à-dire si l'homme a triché et si l'homme a influencé le climat, le change ou pas. Donc aujourd'hui, on peut pas le dire. Mais on a quand même un faisceau d'indices puisque cette sécheresse, on en a aussi subi une l'été dernier, par exemple. Oui. Et en fait, la sécheresse de l'été dernier, on avait du mal à dire si elle est liée au changement climatique. Mais la répétition, voilà, des sécheresses, des événements hors du commun, eh bien, ça nous permet de dire que, non, très probablement, on est dans un climat qui évolue. Voilà. Quand vous avez 3
double 6 de suite, vous savez que votre adversaire triche. Est-ce que ça veut dire justement qu'on est capable de prévoir peut-être ces sécheresses à l'avenir ou pas encore? Alors, on est capable de dire ce qui va se passer avec des incertitudes, comme toujours, mais on ne sait pas dire quand ça se passera. Et c'est ça qui est difficile à comprendre. On est capable de dire que la fréquence des sécheresses sera plus importante, mais pas forcément en hiver, mais voilà. Mais on est capable de dire si la fréquence de phénomènes extrêmes va évoluer, donc oui. Mais par contre, si ça va se passer cette année ou l'année prochaine, non, on n'est pas capable de le dire. Par exemple, 2022, c'était une année très très sèche, un été très très sec, qui rappelait et dépassait à certains endroits l'été de 1976. Par contre, l'été de 2021, vous vous en souvenez certainement pas. On se souvient des inondations et des étés très humides. Donc voilà, on n'était pas capable de prévoir. Mais par contre, on sait qu'en termes de fréquence, si on regarde sur le long terme, ce sont des phénomènes extrêmes qui risquent de se reproduire plus souvent. Au cœur des océans, la haute mer est une ressource vitale qui fournit la moitié de l'oxygène qu'on respire. Ces animaux marins pourraient bientôt nager en paix, après une nuit d'ultime tractation à l'ONU, au terme d'une session de 2 semaines de discussions intenses. La présidente de la conférence annonce finalement la signature d'un traité de protection internationale. Le navire a atteint le rivage. Visiblement très ému et acclamé par les représentants des pays membres. Car cela faisait 15 ans que les États négociaient pour protéger la haute mer, située à plus de 370 km de toute côte, au-delà des zones économiques exclusives des États. Cet espace représente plus de 60% des océans, mais n'appartient à personne. Longtemps laissé à la merci des pollutions et de la surpêche, seul 1% de la haute mer est aujourd'hui protégé. Nous ne nous comportons pas correctement. Ce traité est important car il nous oblige à nous comporter correctement et à sauver ce grand allié qu'est l'océan. Si le contenu précis du texte n'a pas encore été publié, on sait déjà qu'il créera des aires marines sanctuarisées. Le traité a été salué par les associations environnementales, car la haute mer absorbe aussi une grande partie du CO2 émis par les activités humaines. Nous suivons la science, c'est-à-dire les mathématiques et la physique, qui nous disent que l'augmentation des gaz a un effet néfaste. Vous devez gérer cet effet, et si vous ne le gérez pas, vous allez dépenser des milliards et des trillions de dollars pour réparer les dégâts. Le texte ne peut désormais plus être modifié qu'à la marge. Il devra être traduit en 6 langues avant d'être ratifié par chaque pays. Florence Bergeau-Blaquer est l'auteur d'une enquête passionnante sur les frères musulmans et leur influence grandissante en Europe. Le frérisme et ses réseaux qui vient de paraître aux éditions Odile Jacob. On ne présente plus Gilles Kepel, directeur de la chaire Moyen-Orient-Méditerranée à l'École Normale Supérieure. Il est le grand spécialiste de l'islam et du monde arabe et l'auteur de nombreux ouvrages publiés chez Gallimard comme « Banlieue de l'islam » ou encore « Terreur sur l'Hexagone ». Le frérisme, c'est 30 ans en fait d'influence en particulier des jeunes musulmans qui sont nés en France, ce qu'on appelait la réislamisation que Gilles Kepel a très bien étudié dans son livre Les banlieues de l'islam. Et c'est donc c'est un cercle bien plus large que la seule confrérie des frères musulmans. Alors je le distingue de l'islamisme qui s'adresse plutôt ou qui négocie plutôt avec un État, du djihadisme qui est une forme violente. Le frère c'est beaucoup plus diffus, ça contourne le politique pour passer plutôt par l'économie, ça on l'a vu avec mon livre précédent, Le marché halal ou l'invention d'une tradition, et la culture, l'influence dans tous les secteurs de la société. Quand est-ce que naît cette confrérie et comment elle va s'étendre et se diffuser? Alors elle naît en 1928 en Égypte, sur le canal de Suez. C'est un instituteur qui s'appelle Hassan el-Banna, ce qui veut dire le maçon, le bâtisseur justement, qui l'a créé dans un contexte où le califat ottoman a disparu, détruit par Atatürk. Et les frères, comme un certain nombre d'autres organisations, vont s'efforcer
de reconstituer un islam politique, c'est-à-dire faire en sorte que la société soit organisée face à la laïcité qui progresse dans un certain nombre de pays. Mais Nasser, très rapidement, les élimine en 1954, les envoie en camp de concentration, et enverra le plus radical d'entre eux, l'idéologue Sayed Qutb, à l'échafaud en 1966. Ensuite, on a vu envers 2012 une sorte de basculement des printemps arabes qui étaient lancés par des jeunes plutôt gauchistes, disons, et assez laïcisés, vers le frérisme qui a mis tous ses réseaux à son service pour récupérer les mouvements, et qui se sont, à ce moment-là, présenté comme une alternative crédible pour un certain nombre de pays occidentaux, notamment les États-Unis de Barack Obama, qui ont dit, face au désordre, il vaut mieux jouer sur eux. Et c'est ça qui leur a permis cette énorme implantation. Et plus ils se sont reportés sur l'Europe comme le lieu par excellence de leur stratégie d'entrisme et de contrôle. Et c'est justement ce phénomène qui n'avait jamais été décrit avec cette précision et cette ampleur auquel est consacré le livre de Florence Dousse. Eh bien justement, nos pays, finalement, ils sont plus libres en Europe de déverser leur propagande que dans leur pays d'origine. Aujourd'hui, oui. Enfin, ils ont été, après les révolutions arabes, enfin les soulèvements arabes de 2011, ils ont été très présents donc à la tête de l'Égypte avec le président Mohamed Morsi, en Tunisie, avec une forme, disons, la plus édulcorée possible avec le mouvement Nahda, qui est aujourd'hui soumis à la répression, comme d'ailleurs toute l'opposition, par l'actuel président. Et puis Erdogan est un frère musulman de pensée, si vous voulez, avec la dimension nationaliste turque en plus. Mais Erdogan a dû aujourd'hui faire attention aux Saoudiens, aux Émiratis. Il n'a plus un sou. Le pays est en inflation terrible. Vous avez vu le tremblement de terre également. Et à la demande des Saoudiens et des Émiratis, il a fermé les radios des frères. Et aujourd'hui, finalement, l'Europe est le lieu par excellence de leur implantation. Alors, l'effondrement du communisme. En 89, c'est très important en France. Parce que l'organisation proche des frères, même s'ils ne disent pas qu'ils en font partie, qui s'appelle à l'époque l'UOIF, change de particule. C'était l'Union des organisations islamiques en France, et elle devient de France. Ce qui signifie quoi? Ça signifie dans leur esprit que désormais, la France comme l'Europe ont basculé dans le domaine de l'islam. C'est-à-dire que les musulmans qui vivent dans les pays européens doivent pouvoir, du fait de la démocratie, appliquer toutes les demandes de leur foi, de la charia, disent-ils dans un premier temps, à titre personnel. Et ça débouchera directement en France sur l'affaire du voile islamique, c'est-à-dire, je suis musulman, donc il m'est prescrit de porter le voile, enfin selon leur explication, il y a d'autres musulmans qui ne voient pas comme ça, et c'est ça qui va donner ensuite la commission Stasi, le reste. Et dans le monde anglo-saxon, dont vient de parler Florence, ça sera la fatwa contre Roujdi, dont les sunnites du mouvement de Maoudoudi présents en Angleterre vont se faire le relais avec l'autodafé des versets sataniques à Bradford, qui va ensuite déborder dans un certain nombre de violences. Mais c'est cette année charnière qui considère que désormais l'Europe fait partie de la terre d'islam. Je veux dire, quand on transplante l'islam dans une société européenne, normalement, on devrait avoir une fragmentation naturelle qui lui permette de s'assimiler au contexte et à la culture et aux cultures européennes. Or là, ils empêchent cette fragmentation, ils tyrannisent d'une certaine manière l'ensemble des groupes de musulmans en les culpabilisant, en utilisant la question de l'islamophobie, l'identité transnationale, c'est-à-dire que peu importe les races, ils s'occupent pas des cultures, etc. Ce sont toujours des races et des cultures secondaires. L'identité première, c'est l'identité musulmane, hommes et femmes, comme si on avait deux espèces humaines, d'une certaine manière. Il y a aussi, dans leur stratégie, le passage, vous l'avez dit, par la culture, mais il y a aussi la volonté d'utiliser, finalement, les libertés individuelles occidentales pour les retourner, en réalité, contre l'Occident, et également la question de l'antiracisme, qui est très présente dans votre livre. Je ne sais pas s'ils pensent comme ça. Ils font des plans, mais opportunistes. C'est-à-dire qu'ils utilisent l'existant
toutes les références à l'islam, ils les détournent à leur profit, d'une certaine manière, qu'elles s'expriment par la voix des libéraux, par la voix des djihadistes ou par la voix des wahhabos salafistes. Donc ce sont des opportunistes qui reprennent à leur compte ce que les autres produisent. Toujours dans le but, bien sûr, de faire avancer la société islamique. Donc, ils ont à la fois, un impact individuel, mais surtout de rassemblement de la communauté. C'est pour ça qu'ils ont horreur de ce qu'ils appellent la fitna, c'est-à-dire le désordre dans la communauté. Il faut que tout le monde aille dans le même objectif. Et ils utilisent pour ça, donc, l'islamophobie pour culpabiliser les musulmans en disant si vous êtes critique vis-à-vis de la pensée d'un tel et d'un tel qui est musulman, alors vous faites le jeu des islamophobes Donc l'objectif, c'était un peu comme le Parti communiste faisait honte aux ouvriers de ne pas s'inscrire dans la logique de l'internationalisme prolétarien. Je voulais revenir sur quelque chose que vous aviez mentionné, c'est-à-dire la dimension européenne. Les frères ont été extrêmement habiles à noyauter les institutions européennes et organiser les financements européens à leur profit. Alors c'est dû au fait d'abord que la Belgique, que Florence connaît très bien, où est située Bruxelles, est totalement poreuse à l'influence frériste, parce qu'il n'y a pas d'État véritablement en Belgique. Vous avez des communautés qui se battent les unes avec les autres, et les islamistes en ont tiré une chose extraordinaire, ce qui fait que Molenbeek est la capitale non seulement européenne mais quasiment mondiale aujourd'hui du frérisme et de ses dérivés, y compris du djihadisme aussi. Notre principal prisonnier djihadiste en étant Abdeslam. Et par ailleurs, ils ont été très très actifs, notamment lorsque le Royaume-Uni faisait partie de l'Union européenne, qui avait une position prééminente parce que la langue de l'Union européenne, c'est l'anglais, donc les Anglais ont beaucoup plus de facilité. Et toute la mouvance frériste issue du sous-continent indien présente au Royaume-Uni. Tariq Ramadan vivait à l'époque au Royaume-Uni, était devenu un peu le gourou de Tony Blair. Est entré dans l'Union européenne au nom de la lutte contre l'islamophobie, dont l'Union européenne a fait une très grande cause, sans même analyser ce concept qui pose quelques problèmes. Et moi, j'ai vu dans mon propre domaine, par exemple, que quand j'ai soumis des projets de recherche transnationaux aux plus hautes instances de recherche de l'Union européenne, ça a été systématiquement retoqué. Alors que mes collègues, ou supposés tels, qui eux étaient de sensibilité frériste, ou en tout cas islamo-gauchiste, avaient des millions et des millions d'euros. Ça a été un énorme problème, parce que ça a permis justement, avec ça, de financer les doctorants et d'orienter un certain nombre des recherches dans une logique fréro-compatible.